vous aimez particulièrement les femmes. Votre filmographie en témoigne. Alors qu'est-ce qui vous motive? Et notamment peut-être aborder ici un peu ce que vous voyez, ce que vous avez trouvé chez Isil Lebesco, mais aussi le point commun ou les choses qui vous motivent chez toutes les autres grandes actrices que vous avez côtoyées pour vos films. L'élément féminin est pour vous, semble-t-il, quand même le centre ou un des centres de votre cinéma. Comment dire, vous savez, c'est relativement simple. Pour commencer, en dehors du fait que je suis cinéaste, je suis de sexe masculin, on me l'a dit, je le crois. Donc, j'éprouve beaucoup d'intérêt à l'égard de la partie de l'humanité qui n'est pas de sexe masculin. Voilà, pour moi, ça reste sans doute pour très longtemps le mystère des mystères. En même temps, il y a un couple d'homosexuels dans votre film, notamment un joli personnage de Pierre Chevalier, oui. Qui est un peu un clin d'œil à un de vos amis, enfin, à quelqu'un qui est important pour vous. Oui, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai beaucoup aimé travailler, chez vous. Je crois qu'en fait, par rapport à vos femmes, vous m'avez répondu. Vous croyez ? Je sais pas. Et pour moi, il y a deux choses. C'est-à-dire, les femmes, oui, bon, je peux répondre de façon un peu générale, comme je vous ai répondu, mais ce que j'aime surtout, c'est les actrices. Et les grands acteurs, pour moi, sont des actrices. Vous voyez ? Danielle Auteuil, pour moi, c'est une actrice. Voilà. Et bon, lui, il le dirait probablement pas comme ça, mais par exemple, Gérard Depardieu n'a aucun mal à dire que quand il joue, il est une femme. Et je suis absolument d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'un acteur est une femme, ou dans le prolongement de ce que vous me dites? Comment vous le percevez, vous? C'est une sensibilité particulière? Oui, je pense. C'est une disponibilité voulue à des mondes qui se constituent autour de soi comme ça. C'est quelqu'un qui s'en remet à quelqu'un d'autre. C'est pour que quelque chose existe et trouver par ce biais-là quelque chose de soi. Ce que les hommes, la plupart du temps, ne font pas trop. Alors que les femmes, la plupart du temps, me semble-t-il, savent faire. Merci beaucoup.